Ouah. Fais attention à mes cheveux parce que je les ai lavés tout à l'heure, ils sont en bazar et encore humides, mais je viens de recevoir un colis que j'attendais impatiemment de vous montrer puisque ce vlog est sponsorisé par la marque Metapen et j'ai reçu un petit colis de leur part. J'ai trop hâte de vous montrer ça et de découvrir avec vous. Ouvrons ça ensemble. Ils sont tout bien emballés, j'adore unboxer des produits comme ça. Ça, on va l'ouvrir après. Je vais vous montrer en premier du coup le Pencil A14 qui en gros est un équivalent du Apple Pencil deuxième génération comme j'ai sur mon iPad Air 4 actuellement. Et évidemment, c'est une alternative beaucoup moins onéreuse que chez Apple puisque je suis en train d'essayer de trouver l'endroit pour pouvoir unboxer. Oh, vraiment, c'est terrible, c'est trop satisfaisant. J'adore. Et du coup, oui, je disais que c'était une alternative beaucoup moins onéreuse que l'original. Puisque pour celui de chez Apple, si je me trompe pas, on est dans les 150 €, non? Et celui-ci, au prix fort, coûte 35 €. Sachant que cette semaine, il y a une promo sur Amazon, qu'il est encore moins cher que d'habitude. Du coup, dans la boîte, on retrouve le fameux pencil avec deux petites mines de rechange, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup juste en dessous on trouve la petite notice, oh il y a même des stickers à l'intérieur, mais c'est ça qui nous intéresse le plus du coup, voir un peu la prise en main. Je sais pas si le focus va bien se faire, mais juste là du coup on a la petite marque au bout. En tout cas à première vue comme ça je le trouve super agréable en main, la texture, si je puis dire, la matière là, elle est super agréable, c'est super doux, ça glisse pas, ça n'accroche pas trop pour autant, c'est super agréable, il est léger, j'ai vraiment hâte de le mettre en action et de le tester. Alors pour le connecter c'est vraiment très simple, déjà on va l'allumer dans un premier temps, là dès qu'il commence à clignoter on va le voir apparaître sur notre écran, du coup on a juste à cliquer ici, il y a une demande de jumelage Bluetooth qui va apparaître. On met jumelé et c'est bon, il est bien connecté, on peut le voir juste ici. Comme l'original, vous pouvez le mettre à charger juste ici puisqu'il est magnétique. Et d'ailleurs quand on le met à charger, vous allez voir, il apparaît bien juste ici. Hop, il était déjà là du coup comme il est connecté, on voit bien qu'il est bien en train de charger. Et pour le mettre un petit peu à l'essai, j'ai juste ouvert Procreate pour faire du coloriage clairement. C'est vraiment juste tester, voir ce que ça donne. Hop. Mais du coup, elle est super agréable. Tada. Et pour terminer rapidement, du coup, je vous montre ce qu'il y a dans cette petite boîte. Regardez-moi ça! Des petits tips de couleurs. Et celles-ci, du coup, elles sont pas faites pour aller avec la 14, mais elles sont faites pour aller sur l'original de chez Apple. Je vais vous montrer rapidement ce que ça donne avec, avec le rose et je vais le changer. Je pense que ça va trop bien rendre parce que j'ai une protection rose dessus. Ça va être trop mignon, je pense. C'est trop mignon!
Du coup, voilà pour ce petit unboxing. N'hésitez surtout pas à aller checker Metapen sur Amazon. Je vous laisse tous les liens en barre d'infos. Que vous ayez besoin d'une alternative au pencil de chez Apple ou que vous ayez envie de le personnaliser avec des mines colorées comme le mien, n'hésitez pas à checker tout ça. Désolée pour le bazar, comme vous pouvez le voir, je suis super bien organisée quand je prépare un gâteau. Mais je voulais vous montrer, je voulais absolument me faire un brownie. J'avais trop envie de brownie, je sais pas pourquoi, j'avais envie de chocolat. Et j'avais plus du tout de tablette de chocolat dessert. Du coup, je suis allée en acheter et là, je vois cette nouveauté avec des éclats de noisettes à l'intérieur. Du coup, pour faire un brownie, c'est juste parfait. Je me retrouve du coup avec des éclats de noisettes dans mon brownie et c'est trop bien, ça évite d'acheter à côté justement des noisettes ou des noix et tout. Je me dis ça va donner un petit truc en plus plutôt que de faire juste tout chocolat et voilà. Oh là là, j'ai juste goûté là la préparation, c'est trop bon. Sachez que j'ai divisé mes portions pour faire un test et pour pas faire un trop gros gâteau parce que je suis quand même toute seule, faut pas abuser. Et puis je vais faire des cookies aussi à côté. Mais je vais enfourner ça et puis résultat tout à l'heure, écoutez. Après mon petit brownie, il est temps d'enfourner mes cookies. Regardez comme ils sont beaux, ils sont gros. J'espère qu'ils vont pas trop s'étaler. On verra bien. Hop, c'est parti. Il faut que je vous montre, je viens de couper les œufs que j'avais marinés. Regardez comme ils sont beaux. Bon, celui-ci était cassé malheureusement. Je l'avais un peu maltraité, mais sinon, oh, déjà ça sent trop trop bon. J'ai trop hâte de les goûter. Je suis en train de me faire des petits ramen là avec. Oh, première fois que je prends le temps d'en faire, alors qu'en vrai ça prend vraiment 10 minutes à faire. Puisque après, faut juste laisser mariner pendant 12 à 24 heures, suivant comment vous les voulez. Moi je les ai fait 24 heures. Et je trouve qu'ils ont vraiment une belle couleur. Je vais voir au niveau du goût si c'est pas trop salé et tout. Mais oh là là, je suis déjà en train de saliver honnêtement. J'ai trop faim. Ça va? On y va? Encore pipi! Tu fais que ça! Tu fais que ça!
Louloute, louloute. Clemency? Never heard of it. With me out here, how can we lose? What about this? You can't run! The time is now. My turn. Je m'apprêtais à m'installer pour faire mon petit spread de la semaine prochaine dans mon daily journal, mais je me suis rendu compte en attrapant ça que je vous avais jamais montré, je pense, sur YouTube, mon petit classeur pour ranger mes stickers, principalement Dreamy Diary du coup, mais il y en a quelques autres à la fin. Je voulais juste vous montrer parce que ça peut peut-être vous donner une idée de comment ranger vos planches de stickers, c'est super pratique. Du coup j'ai des pochettes qui sont un peu plus grandes par deux comme ça, où je range les grands stickers. Enfin je dis grands stickers mais c'est la taille normale quoi. Et juste après j'ai tous mes formats mini. Regardez comme c'est trop mignon, c'est vraiment les pochettes dans lesquelles on met les photocards de K-pop, clairement. Vraiment du format photocard, Polaroid et tout. Et ça passe parfaitement, regardez-moi ça. Je trouve ça hyper satisfaisant et du coup c'est super pratique pour s'y retrouver, pour du coup prendre facilement les stickers dont on a besoin. Du coup voilà, je voulais vous montrer ça rapidement. J'ai tous mes petits stickers qui sont rangés ici et d'autres petits stickers. Là c'est mes Poyura, j'ai mes petites étoiles qui sont juste là, et là c'est mes petites chutes de papier que j'utilise quand je fais mes spreads. Là je suis prête à faire ma petite page de journaling. Je vais mettre une petite playlist en fond, mais là pour l'instant j'ai mis la chanson Better Things de aespa qui est sortie ce vendredi. Je suis obsédée par cette chanson, je la trouve tellement agréable à écouter, fraîche, ça fait du bien en fait, ça donne juste un coup de frais, c'est trop agréable à écouter, j'adore. Et du coup j'avais envie de faire un spread qui rappelle en fait, enfin dans le même genre d'esthétique que la chanson, je sais pas comment expliquer, genre je voulais retranscrire les vibes de la chanson dans mon spread de la semaine prochaine, donc c'est ce que je vais faire.
Et voilà du coup pour le résultat final de mon spread de la semaine qui arrive. Je me suis fait une petite page playlist, j'avais très envie de faire ça parce que j'ai eu des petits coups de cœur dernièrement et du coup je voulais les laisser juste là. J'aime trop comment ça rend, j'adore l'idée de l'arc de cercle comme ça, je trouve que ça rend vraiment trop bien. C'est une inspi que j'ai trouvée sur Instagram, je suis pas mal de comptes de journaling et on y trouve toujours plein de bonnes idées. Bref, voilà, je suis super contente du rendu, c'est super frais et je trouve que c'est grave dans le thème de la nouvelle chanson d'Espa.